Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Lumberjack Dynasty. Et aujourd'hui, donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, on va... Vous avez un peu faim. On va pas boire la bière de mon matin, quoi. On va couper du bois. Ouais, on va aller faire... un peu de bois pour aller le vendre, et pendant que ça sèche, on va faire les quêtes. Je pense que c'est le mieux à faire. On va faire un peu de cuisine aussi avant, là. Ah, ça serait pas mal. Je sais pas de... On va voir la serre. Je sais pas où j'en étais à la serre. Non. On va faire un tour du miel vite fait. Non. Les pommes, il y en a toujours pas. Ah, le miel. Récolter miel. Ok, ça c'est déjà bien. Récolter miel. Ok. On va les garder sur soi. On va faire la cuisine. Et on ira vendre après. Alors, conserve de courgettes, let's go. Je sais pas si je fais des plats, parce que honnêtement, j'ai l'impression quand même qu'il y en a, c'est de l'arnaque, quoi. Donc voilà. Ok. On va utiliser notre nouvelle machine. Qui est là-bas. On a 20 500 $. Je sais même plus si j'avais de la... Ah si, j'en avais. Ah bah Ah ouais. Bon, j'en avais que deux couilles. Et là. Ah là j'en ai quand même. Ouais, pas des masses. Mais j'en ai quelques-unes. Ok. Où est notre nouvelle... Elle est là. Ça remplace le tracteur. Ah ouais. Ah oui, on a la classe. Alors, on va faire une marche arrière. On va aller sur notre terrain. Ouais, il se conduit vachement bien le camion pour le coup. C'est à moi là, je crois, ouais. Je vérifie. Ouais, c'est bien ma parcelle à moi. Allez, let's go. On débroussaille tout ça, là. Tac, tac, tac. Hop, on va en faire un beau champ pour les moutons. Que j'ai pas. Comment on enlève ça, là? Là. Ok. Ça a repoussé ça. Voilà. Allez.
Et boum. C'est dommage, il n'y a pas le boom. Où c'est que je coupe les branches? Là. Quand même immense ces arbres hein. Leur tronc est vraiment très très épais. Je sais pas comment les gens dans le temps faisaient pour les couper puis les transporter. Bah avec les chevaux je pense, ou les gros gros taureaux. Mais punaise, fallait y aller quoi. Alors on va tester comment ça marche comme ça. Ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Ah, je comprends pas. Manipuler la grue. Okay. On va passer par là. Ah si, mais il fallait descendre, ok. Alors, il faut bien viser. Oh, ça glisse pour se mettre correctement. D'accord, bon, on va couper l'autre arbre qui va être gênant. Je pense que deux arbres ça suffit pour tout mettre dans la scierie, non? Alors. Ok. Parfait ça. Allez. Le petit camion. On va commencer par celle-là. Alors, quel est le problème là? C'est bizarre quand même, parce que faut que j'aille, je sois assez éloigné du... Ok.
Ok. Je suis hyper concentré en un mot. Ok. Par contre, le truc chiant, je trouve, dans le jeu, c'est d'utiliser la touche Entrée pour valider. Je sais pas, moi j'aurais mis, je sais pas, la touche Espace. Ou une autre touche, mais pas Entrée, quoi. Un truc plus simple. Allez, monte. Je pense que là c'est bon. On va déjà mettre ça à Siri. Donc là on a deux arbres. Il va vite le truc ou pas, hein? 45 km/h max, ok. Ah, c'est vrai que j'ai le tracteur. On va le déplacer. S'il sert plus à rien maintenant. Même une belle machine, hein. Elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup. Et en attendant que les planches arrivent, hop, on met le petit truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller allumer la scierie. Peut-être d'ailleurs je vais dire, je vais peut-être le faire maintenant, mais peut-être que je vais pouvoir avoir le temps. Comment tu peux faire des planches avec ça? Les petits trucs là. Voilà. Je pense à la série pour la mettre en route. Oh, il y a le temps. Alors, faut que les trucs aillent de l'autre côté. Comme ça. La série, elle est en route déjà, là. Oh, c'est cool. Je vais voir. Ouais, ok. Du coup, bah, je vais prendre le camion cette fois-ci pour récupérer les planches qu'il y a sur le côté là.
Je vais la prendre et comme ça je vais aller vendre tout ça d'un coup. J'aimerais tellement avoir des pommes là. Des petites biches dans mon terrain, c'est mignon. C'est à moi ça ou pas? Je m'en souviens pas. Oui, c'est à moi. Donc, j'ai regardé par rapport au succès. Je vois que les succès, en fait, il faut. Il y a un succès où c'est marqué. Enfin, le pourcentage. Un des pourcentages élevés, c'est d'avoir la série, la ferme, de les avoir achetés. Et ensuite, les autres succès se débloquent en fonction des quêtes qu'on aura. Genre devenir le maire ou devenir député ou je sais pas quoi. Donc, en gros, faut vraiment, vraiment farmer là. Faire notre vie de bûcheron. D'homme à tout faire pour pouvoir up et pas up mais pour gagner de l'argent surtout et acheter tout quoi. Ce problème c'est pas avec le bûcheronnage. Regardez par exemple là je vais vendre ça. Je vous dis que j'en ai pour 2004 2006 un truc comme ça. C'est rien, c'est vraiment rien. 1764, voilà. 1764 pour avoir coupé un arbre, avoir enlevé les branches, l'avoir tronçonné, l'avoir déposé sur la remorque, l'avoir transporté, l'avoir jeté dans l'eau, l'avoir coupé avec la scierie, de l'avoir fait sécher pendant une semaine. Alors que si tout simplement je vais cueillir des plantes, que je récupère des pots de miel, si j'achète pas les pots de miel, je vends chaque préparation 200 euros. Je fais 5 préparations, je suis déjà à 1000 balles, quoi. Après, c'est sûr, faut les trouver, les plantes. Mais y a pas que les plantes. Enfin, y a les shampoings. Enfin, y a pas mal de trucs. Y a la cuisine et tout. Donc, limite, je me dis, je préfère faire passer mon temps pour avoir des légumes dans la serre et faire les quêtes annexes que faire ça. J'ai l'impression que c'est plus rentable. Mais bon, je le fais quand même. Comme ça, pendant tout le reste de la semaine, les planches vont sécher et je vais pouvoir m'occuper, en fait. Des quêtes extérieures et puis de la cuisine et tout ça quoi. Honnêtement, je pense que c'est le mieux. Même si ça me rapporte que 2000 balles quoi. Ils sont toujours pas arrivés. Ah si. Ça a commencé. Alors, il y en a combien là? On a une. Deux. Je vais mettre le camion là-bas parce qu'il y a le... Comment ça s'appelle? Vous savez, le truc à écorce là. Donc je vais le mettre par là. Et comme ça, je serai prêt à les accueillir. Du coup, notre petit transporteur. Oh quoi, je pourrais... ouais, en fait, couper plus d'arbres, quoi, pour tout remplir. Toc, toc, toc. Wallé! Ah, c'est vrai, j'ai ma belle tenue. Ouais, je vais peut-être mettre une tenue qui fait tout en fait.
Mais bah, t'en mets du temps. Je vois pas de caisse d'écorce. Ça a du mal à avancer, bon, c'est pas grave. Et ça s'est activé ou pas? Non, aucune idée. Cinq à 9%. Peut-être falloir que j'achète de l'essence du coup. Je vais aller voir comment ça marche. Je crois qu'on peut le remplir directement comme ça, qu'on n'a pas besoin d'aller. Et tu me fais quoi là le. Attends, j'ai du mal à conduire parce qu'il est crade là. Ce que tu es en train de me dire ou pas? Ah bah dis. Attends, mais c'est quoi le délire là? Ah, ça dépasse, j'aime pas quand ça dépasse. Je le pousse un petit peu. Ah, je vais aller le laver parce que j'ai l'impression que je glisse avec les roues là. Comme ça, je vais en profiter pour voir comment je peux acheter l'essence pour faire le plein. Là, 17 km à l'heure, quoi. Faut vraiment pas être pressé. Sortie du véhicule. T'es pas là pour laver le. Attendez. Ah, laver le véhicule. Ok, ah bah moi j'avais du carburant en stock.
crois que c'est le dernier tronc celui-là, je crois que c'est le plus gros. Faut pas être pressé, hein. Hop. Mais pourquoi tu roules sur le côté là comme ça? Tu t'es cru Michael Jackson ou quoi? Je vois là-bas qu'il y a une caisse de placo là, je sais pas quoi. Quoi, c'est tout? C'est tout ce que j'ai en planche? Je m'attendais tellement à plus. Oh la vache. Et là, à tous les coups, je vais en avoir quoi? Une ou deux? Ok, une. Comment dire que je suis un peu dépité? Je vais recouper du bois. Pas le chouet. Oula, qu'est-ce que je suis? Oula, oula. Ça s'emballe. Ce qui est bien, c'est que il donne la. Le véhicule avec le blanc. Ça a le nombre de concessionnaires qui donnent pas le véhicule avec le plein, mais avec la moitié du plein. Ah mince! Ben du coup, pour le coup. Du coup, pour le coup. On va couper celui-là. Ok, c'est délimité, donc c'est parfait. Oh, regardez les muscles de mon avant-bras. Ah, ça c'est du muscle, ça. Oh la vache. Ah, c'est du biscotto, ça. Timber! Oh, non, pas sur mon vésicule. Ah bah si, sur mon vésicule.
Ça va pas marcher si... Non, ça va marcher. Et tombe. Qu'est-ce que je fais, moi? Comment je vais pouvoir faire? Attends, je vais tester un truc. Quoi? Ça passe à travers. Comment je vais faire, moi? Je peux pas le prendre là? Comment je vais faire? Vous savez que je peux pas récupérer les agrumes? Ah si, les grumes, pardon. Ça veut pas bouger, hein. C'est ouf ça. Je peux pas faire de marche arrière à cause de... Ah! C'est quoi? Ah, mais punaise! Et j'ai pas de chance aujourd'hui ou quoi? Attends, c'est quoi le délire? Vas-y, mets le correctement, dame.
Quoi, je peux pas. Non, à mon avis, j'ai oublié de couper un truc là. Voilà. Ouais, voilà. Bon, je peux toujours pas l'enlever, ça. Punaise. Je suis pas doué. Donc ce que je vais faire, c'est que hop. Non, ça passe à travers. Oui. Punaise. Non, j'ai pas vendu, hein. Voilà. J'arrive pas. Ah, voilà. Qu'on va continuer parce que enfin, on va continuer demain parce que là on en a pas assez clairement. Oh lui! La priorité à droite, monsieur, vous connaissez ou pas? Non mais où? Demain, on va s'attaquer aux arbres qu'il y a là-bas au fond. Donc je vais déblayer vite fait. Tout ce qui est à moi. Voilà. Je vais déjà les couper quand ça sera fait.
Je pense que les trois là pour le début, ça pourrait être bien. Voilà. Je suis pas au milieu là. Il y a trop d'arbres. Quoi, c'est encore tombé dessus? Ah, mais c'est pas possible! C'est quoi le délire là? Il y a trop d'arbres de partout là. Ah oui, je l'ai encore. Ah voilà, là c'est mieux là. C'est bon? Ok, c'est bon. Waouh, et quelle belle bête. Quelle belle bête. Magnifique. Bref, du coup, ben moi je vais vous laisser là. On a bien avancé, demain on continuera, on va mettre ça à la scierie. Ça va faire les planches, on va tout mettre en planche et si on a le temps, on fera une quête. Je sais même pas ce qu'il y a comme quête. Il y a quoi comme quête? Ça, c'est quoi, tu vois? Contre la montre de drone. Ah bon, on le voit à la faire aussi, dans 2 jours. Coupe bordure. Taux de travaux de réparation. On fera les travaux de réparation, le mouton disparu. Ouais, si on a le temps, demain, on fera ça. Ouais. Bref, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.